vous tous, honorables invités, frères et sœurs laïcs qui constituent avec nous le peuple de Dieu, à vous tous, que la grâce et la paix soient abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni en Jésus-Christ. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en présence de Dieu trois fois saint. La Bible dit dans 1 Jean, au premier chapitre, versets 8 et 9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que chacun donc lui confesse ses fautes, lui avoue ses péchés et Dieu, avec assurance et bonté, lui pardonnera. Notre Dieu et notre Père, merci de ce que tu nous rassembles ici aujourd'hui, en cette journée nationale des laïcs méthodistes. Nous te bénissons, nous te louons pour tout ce que tu as fait à travers les laïcs méthodistes unis et pour ce que tu feras encore pour eux. Seigneur Dieu, toi qui nous connais, nous confessons que nous avons péché contre toi. Pardonne-nous et lave-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez tous vous tenir debout. Peuple de Dieu, vos péchés vous sont pardonnés. Dans la joie du pécheur repenti et pardonné, exécutons ensemble avec la chorale, le Théodéum Laudamus. Pour le Père, Père.
L'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami,
comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte le fruit. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Le lectionnaire méthodiste nous propose en ce jour trois textes. Lecture de l'Ancien Testament tiré du livre des Proverbes en son chapitre 30, versets 7 à 9. Proverbes chapitre 30, versets 7 à 9. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que, dans la pauvreté, je ne me dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Lecture du Nouveau Testament, tirée de l'Épître à Tite, chapitre 2, versets 6 à 15. J'exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 16, les versets 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'attends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Sans mesure d'huile, répondit-il, et il lui dit, « Prends ton ticket, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?» Sans mesure de blé, répondit-il, et il lui dit, « Prends ton billet,
et écrit 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. À tes pieds, ô Dieu, nous sommes. Chantons ensemble le 265 de notre recueil, gloire à Dieu. Je ne laisserai jamais ta parole.
bénissons, notre Dieu. Merci parce que tu permets au bonheur et à la grâce de nous accompagner tous les jours de notre vie. Seigneur, ce matin encore, tu nous as rassemblés dans ta maison. Il y a quelques instants de cela, oui, nous étions couchés comme des morts. Personne n'a vu, n'a su ce qui s'est passé autour de lui, mais l'ange de l'Éternel a campé autour de nous et tu nous as arrachés de tout mal et de tout danger. Que ton nom soit béni pour ta fidélité et ta bonté qui se manifeste chaque jour dans notre vie. Seigneur, viens et bénis ton peuple par le biais de ta parole et que toute la gloire te revienne au nom suprême, au nom glorieux, au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à Jésus-Christ qui, dans sa fidélité, prend soin de chacun de nous? Amen. Veuillez vous asseoir. Oui, offrande d'acclamation à Jésus, parce que qui peut nous dire ce qui s'est passé autour de lui pendant qu'il dormait? Personne, évidemment, mais il y a un seul qui a pris soin de nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de la tribu de Juda. Et si tu es conscient de cela, tu vas te lever encore et lui donner une offrande d'acclamation pour sa fidélité et sa bonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. La grâce et la paix vous soient communiquées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Amen. Le thème que nous donne l'Église méthodiste unie en cette journée dédiée aux laïcs méthodistes est « Habileté, responsabilité et fidélité dans ce siècle-ci ». Et pour bien comprendre le thème, trois textes bibliques nous ont été donnés et nous les avons lus tout à l'heure en guise de rappel. Ce sont Proverbes, chapitre 30, lecture des versets 7 à 9, Tite, chapitre 2, versets 6 à 15, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 16, lecture des 13 premiers versets. Frères et sœurs, le verset qui soutiendra notre prédication de ce matin est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, en son chapitre 16, le verset 10 qui dit ceci: « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Selon Luc, le chapitre 16, le verset 10. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour pour son peuple que nous sommes, désire accomplir son projet de sainteté, son projet de pureté dans notre vie. En effet, Christ a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés et pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et donc, étant enfants de Dieu, Dieu veut nous conduire à la stature parfaite, afin que dans notre vie de tous les jours, nous ressemblions à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut nous conduire dans son projet de sainteté et de pureté dans notre vie parce que nous sommes son peuple. Depuis quelques dimanches, je voudrais vous le faire remarquer par le biais du lectionnaire méthodiste. Dieu interpelle son peuple que nous sommes. Il interpelle son peuple sur la qualité de vie transmise par le Seigneur Jésus-Christ à toute l'humanité et principalement à nous, enfants de Dieu. En guise de rappel, le dimanche 27 septembre, le thème qui nous a été donné était « Attention, que la lumière en toi ne soit ténèbres. Attention, que la lumière en toi ne soit ténèbres. » C'est un appel à marcher dans la lumière, à marcher comme un enfant de Dieu. Le dimanche 4 octobre, nous avions parlé de l'inévitable décès social
de la mission de Jésus. Le dimanche dernier, 11 octobre, le thème était « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Alléluia. Mais la vie d'un homme dépend de quoi ? De la qualité de sa relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, Dieu nous dit « Habileté, responsabilité et fidélité dans ce siècle-ci. » Frères et sœurs, Dieu parle. Dieu parle. Oui, Dieu parle. Dans le texte de l'Ancien Testament que nous avons lu, il s'agit d'un homme nommé Agur. Dans d'autres versions, il est écrit Agur. Et Agur, qui voulant demeurer intègre aux yeux de Dieu, lui demande deux choses. Premièrement, il lui dit que Dieu éloigne de lui la duplicité, la fausseté et le mensonge. Que Dieu l'éloigne de la double vie, de la vie intègre à l'Église et de la vie à partir du lundi matin qui est conforme au monde. Que Dieu l'éloigne de cela, parce que s'il agit ainsi, ce sera du mensonge. Ensuite, il nous dit que le Seigneur lui donne le strict nécessaire, de peur que dans l'abondance, il abandonne Dieu. Dans l'abondance, il abandonne Dieu. Oui, certains, lorsqu'ils sont dans l'abondance, disent « Oh, nous sommes dans le paradis sur terre » et oublient de Dieu. Donc ici, Agur demande à Dieu que Dieu lui donne le strict nécessaire, de peur que dans l'abondance, il abandonne. Ou que dans la pauvreté, il ne s'en prenne à lui, ou qu'il devienne un voleur, effectivement, ou évidemment. Quand on n'a pas d'argent, on a des stratégies ou des pensées de vol, parce qu'on a besoin de satisfaire ses besoins ou ses responsabilités. Dans le deuxième texte tiré de l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, du verset 6 au verset 15, Paul, dans cet épître à Tite, donne des exhortations à différentes catégories de personnes. Et il invite ses bien-aimés dans la foi à être des modèles en toutes choses et à renoncer à l'impiété dans ce siècle présent. Et enfin, nous avons lu l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 16, les 13 premiers versets. Et dans ce texte, il est question d'un économe malhonnête qui a appris que son maître avait découvert ses malversations et qu'il se verrait renvoyé, pris certaines dispositions pour ne pas se retrouver dans le besoin. Alors, je vous rappelle le thème qui est « Habileté, responsabilité et fidélité dans ce siècle-ci. » Frères et sœurs, les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors, le Seigneur leur adressa trois paraboles. Premièrement, celle de la brebis égarée. Ensuite, celle de la drachme perdue. Et enfin, celle du fils prodigue. Après cela, le Seigneur prend particulièrement à côté les disciples en leur parlant de la parabole de l'économe infidèle. Et comme nous avons dit, il s'agit d'un économe infidèle et malhonnête qui ne gérait pas bien les richesses de son maître. Il en disposait comme il voulait. Il faisait de ses richesses comme il voulait.
Alors, le maître de ce dernier, ayant appris, ayant découvert la mauvaise gestion de son serviteur, lui annonce qu'il serait relevé de ses fonctions. Alors, ce dernier, ne voulant pas retourner à la terre, parce que ayant, grâce aux richesses volées, obtenu ou eu un certain standing ou un certain niveau de vie, se disait qu'il ne pouvait plus retourner à la terre parce que ce serait une moquerie. Il ne pouvait plus aller mendier. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a pris des précautions en pensant à son avenir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les créanciers de son maître et il réduit leur crédit. La réduction des crédits de son maître avait pour but de pouvoir à ses besoins après son renvoi. Certes, à travers cela, le maître recouvrait quand même quelques biens, mais le serviteur étant plus intelligent ou se croyant plus intelligent, a pensé à ce lendemain. Et le maître, par ce semblant d'habileté de son économe, recouvrait quelques créances. Mais l'autre partie devait être reversée à l'économe infidèle, puisque le crédit avait été déclaré en partie. Quand on lit ce texte, on se dit que vraiment, l'économe était malhonnête. Il était vraiment malhonnête. Et cela se voit dans les différentes gestions où nous manifestons la malhonnêteté en ne déclarant pas tout ce que nous faisons. Il disposait de toutes les richesses de son maître et il le gérait comme il voulait. Alors, ayant compris cela, j'imaginais un peu son niveau de vie. J'ai imaginé un peu ces week-ends. Combien de fois toutes ces femmes juives lui couraient après à cause de ses richesses. C'était une vie haut de gamme. Et il ne prenait même pas la peine d'épargner. Parce que pour lui, puisqu'il avait la gestion des richesses de son maître, jour après jour, l'argent était là. Alléluia. Frères et sœurs, c'est l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels, l'amour du monde et de ses plaisirs qui ont poussé ce serviteur, cet économe infidèle, à avoir une telle attitude. Il faut noter que la recherche excessive de l'argent ou des richesses de ce monde nous expose à de grandes tentations. En Proverbe, le chapitre 30 du verset 7 à 9, Agur avait compris cela. Voilà pourquoi il dit à Dieu, « Je te demande deux choses. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. » Oui, la première demande d'Agur concerne sa vie morale. Il voulait avoir une vie morale pure, exempt de toute souillure. Il demande à Dieu que Dieu le garde de la duplicité, de la fausseté comme cet économe infidèle et du mensonge. Agur désire l'honnêteté. Il désire être gardé d'une bonne opinion de lui-même. J'espère qu'il n'y a pas de policiers dans la salle. Mais Agur désire ne pas être un racketteur. Non. Il désire ne pas être un corrompu. Quelqu'un à qui il faut donner quelque chose avant que le directeur ne voie le dossier pour le signer. Il désire ne pas faire cela. Agur désire ne pas être
un falsificateur de compte. Parce que le serviteur malhonnête a été un falsificateur de compte. Il a appelé les créanciers de son maître et leur a demandé « Combien devez-vous au maître ?» Un autre lui a dit « 100 ». Il y a écrit 50. Un autre lui a dit 80. Il dit « Mets la moitié ». Agu désire ne pas être un falsificateur de comptes ou de bilan. Il dit par la suite, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Nous avons déjà entendu cela. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Oui, la seconde demande d'Agur concerne sa vie physique. Il se sent trop faible pour supporter sans faillir la richesse. Parce que la richesse, heureusement, rend orgueilleux. Et comme pouvait le dire le commun des Abidjanais, la richesse rend impoli. L'argent rend impoli. Alléluia. La richesse nous fait oublier que nous avons besoin de Dieu. Puisque pour nous, notre sécurité se trouve dans nos richesses. Donc la richesse nous fait oublier que nous avons besoin de Dieu. La richesse nous fait croire que nous sommes en sécurité. La richesse ne nous fait pas du bien. Agur se sent aussi trop faible pour supporter sans faillir la pauvreté. Parce qu'il dit, il ne veut pas être pauvre, sinon il risque de voler. Dans les deux cas, frères et sœurs, le danger est grand d'oublier la grandeur de Dieu. Au contraire, Agur s'attend à la providence divine. Alléluia. Alors, combien parmi nous font cette prière? La prière d'Agur. Est-ce que nous ne pensons pas à cette richesse que nous voyons dans les films d'Hollywood, où le salon est paré de fauteuils Louis XIV dorés, de cette luxure? Combien parmi nous font cette prière parce qu'ils désirent plaire à Dieu? Ne sommes-nous pas aveuglés par la poursuite des richesses que Dieu qualifie d'injustes? Oui, Dieu qualifie les richesses de ce monde comme étant injustes, puisque pour les avoir, il nous faut voler, il nous faut falsifier des devis, il nous faut falsifier des factures, il nous faut exiger des dessous de table, des pots de vin, prendre ce qui ne doit pas nous revenir. Et cela me fait penser à une scène que j'ai assisté dans une banque, que je ne dirai pas le nom. Il s'agissait de la paye des retraités. Et une veuve partait prendre comme pension de retraite 30 000 francs. Mais pour pouvoir être dans le rang, parce qu'elle était venue en retard, il fallait donner 2 000 francs au vigile. 30 000 francs, une pauvre veuve, il faut donner 2 000 au vigile. Il va lui rester combien pour le mois? Il va lui rester combien pour le mois? Beaucoup parmi nous prennent ce qui ne leur appartient pas, se comportent comme l'économe infidèle. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son épître à Tite, invite le peuple de Dieu à être un modèle. Frères et sœurs, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous communiquer une nouvelle vie que nous recevons par le Saint-Esprit. Alors Paul invite le peuple de Dieu à être un modèle dans ce monde corrompu, à être des hommes et des femmes mis à part qui honorent le Seigneur dans leur travail, dans leur vie, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église.
honore le Seigneur en toutes circonstances à être des modèles de bonnes œuvres et donnant par leur vie un enseignement pur et digne et à montrer toujours une parfaite fidélité à la parole de Christ. Beaucoup sont chrétiens à l'église, mais à partir du lundi sont conformes au monde. Et dimanche on vient, on redevient pieux. Et puis lundi on est conforme au monde. Non, ceux qui font ça, ils sont forts. Dieu nous invite, Jésus nous invite à être des modèles. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas que, ayant reçu Jésus comme sauveur, comme Seigneur, nous sommes devenus des enfants de Dieu, nés de Dieu par le Saint-Esprit, étant nés de Dieu par le Saint-Esprit, la grâce et la vie de Dieu nous enseignent à renoncer à l'impiété. Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'honore pas le Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu. Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle-ci, dans ce siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété dans l'espérance du retour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, le verset 1 à 2, nous dit « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas égal au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Permettez au Saint-Esprit d'enlever dans votre intelligence les pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Permettez au Saint-Esprit de travailler dans votre conscience, dans votre subconscient, même dans votre inconscient. Permettez au Saint-Esprit de travailler dans votre cœur afin que votre vie soit agréable à Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, ce monde-ci, ce siècle présent, court à sa perte. Parce que dans le monde, tout ce qui est injuste est considéré comme étant juste. Si par hasard tu es dans un service ou tu es dans un poste où facilement on peut se faire de l'argent et que tu décides de ne pas t'adonner à cette vie ou à cette manière de faire, les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas, ils te disent que tu es bête. Eh, c'est faux. On te dit que tu as l'occasion, tu es dans un poste juteux, il y a le blé là-bas. Et puis toi, tu es là, tu te joues les saints, tu te joues les chrétiens. C'est injuste. Mais le monde le considère comme étant juste. Et beaucoup de chrétiens, parce que ne voulant pas honorer le Seigneur, tombent devant ces tentations-là. Le monde n'a plus de repères et n'a plus d'avenir. Voilà pourquoi les riches cherchent davantage la richesse. Parce qu'ils courent, ils savent que le monde est fini. Ils veulent s'enrichir parce qu'ils trouvent la richesse, leur sécurité. Frères et sœurs, devant ce chaos, Dieu nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent. Dieu nous invite à être des gestionnaires fidèles. Dieu nous invite à marquer la différence par notre consécration. Qu'on dise dans ton travail, qu'on dise à l'église, qu'on dise au quartier, lui là il est différent. Alléluia. Qu'on dise que lui là, il est différent. Il y a quelque chose en lui que nous n'arrivons pas à cerner.
Et puis s'approchant de toi, il découvre que celui qui met la différence ou qui fait la différence s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça notre responsabilité en tant que chrétien. Gagner le monde par notre consécration. C'est vraiment important, frères et sœurs. C'est vraiment important et c'est ça notre responsabilité. Alors, vous qui continuez à être des économes et fidèles, sachez que Dieu vous voit. Peut-être que vendredi même, tu as frappé un grand coup. Et puis ce matin, tu es assis ici. Restitue! Alléluia! Va redonner l'argent, ça ne t'appartient pas. Mais c'est la vérité, frères et sœurs. Ou bien tu décides d'être païen, ou tu décides d'être chrétien. Si tu veux être chrétien, il y a des principes de vie de la vie chrétienne. Et pour pouvoir honorer de Dieu, pour honorer Dieu, il te faut obéir à ses principes. Donc sache que Dieu te voit. Personne ne t'a vu. Mais Dieu te voit. Et il t'appellera un jour en jugement. Parce que ce que tu penses voler là, ne t'appartient pas, ça lui appartient. Ça n'appartient même pas à ton église ou à ton entreprise, mais si Dieu te bénisse. Cela appartient à Dieu. Laïque méthodiste, nous tous on est dedans. Hein? À part les pasteurs, nous tous on est laïcs. Les pasteurs, je n'ai pas l'argent. Et nous, on est PCFA, on est intendant, on est quoi encore? On est trésorier. Quelquefois, on est PL, on veut voir dans la trésorerie. On est patrimoine et autres. Dieu t'interpelle, laïque méthodiste. Comment gères-tu les biens de Dieu? Qu'en est-il des offrandes? Vous qui arrondissez la fin de mois avec les offrandes, Dieu vous voit. Vous qui arrondissez les fins de mois avec la fimeco, la pauvre veuve fait une alliance avec Dieu, offre à Dieu sa fimeco, et vous, cela vous sert à faire autre chose. Dieu vous voit. Sache que tu rendras compte à Dieu. C'est vrai qu'ils ne sont pas laïcs, mais pasteurs, surintendants, très révérends. Comment gères-tu les biens de Dieu? Comment tu gères les biens de Dieu? Es-tu un économe fidèle ou un économe infidèle? Si tu es infidèle aux richesses injustes du monde, comment Dieu pourra-t-il te confier les véritables richesses? Dieu t'invite à une vie qui lui est consacrée et fidèle dans ce siècle-ci. C'est pourquoi, frères et sœurs, humilie-toi et reviens à lui de tout ton cœur. Car Dieu amènera toutes choses en jugement. Économe, toi qui es infidèle, reviens à Jésus qui t'aime et qui veut te sauver. Alléluia. Laïque méthodiste, par ton habileté, tu peux faire beaucoup de choses. Par tes qualités, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux, en tant que laïc, mettre tes qualités en avant pour que ton église puisse évoluer. Tu es peut-être dans le domaine des finances, dans ton entreprise. Tu peux mettre tes qualités au sein de l'église pour que l'église puisse évoluer. Laïc, méthodiste, nous sommes invités par notre habileté ou par nos qualités à travailler dans l'église du Seigneur. Mais sachons ceci, qu'à quelque niveau que nous soyons, nous devons honorer nos engagements vis-à-vis du Seigneur. Nous devons honorer Dieu. Honorer Dieu à l'église et en dehors de l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Alléluia. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce de Dieu est encore présente. La grâce de Dieu est encore là aujourd'hui. Si tu as reconnu dans ton cœur que par ta vie tu t'es éloigné du Seigneur, tu as la possibilité de revenir à Jésus, parce que ses mains sont ouvertes pour te recevoir. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et comme Sauveur, fais-le, parce que bientôt, il reviendra. Que Dieu nous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Baissons la tête et méditons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever et dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu ». Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseigné, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, l'union des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, dans cette position debout, réfléchissons juste un moment sur cette interpellation du Seigneur qui est tirée de Proverbes chapitre 18, le verset 9, qui nous invite à réfléchir sur le verset qui nous dit « Celui qui se relâche ou se décourage dans son travail est frère de celui qui détruit. » Celui qui se décourage ou se relâche dans la bonne intention qu'il a pour le Seigneur, est frère de celui qui gâte le travail. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons tous nous repentir. Nous qui avons souvent dit, cette affaire des laïcs là, c'est pour eux. Je suis fatigué comme ils fatiguent à l'église. Je veux laisser tout tomber. Pour nous qui avons fait les choses avec lenteur, nonchalance, paresse, souvent nous avons mis de la médiocrité dans l'œuvre du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. Tu vas juste toi-même mettre ta main droite sur ton cœur pour prier pour ton propre cœur. Simplement, si tu es consentant, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à te donner le meilleur de moi dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, communique-moi un engagement vrai, sincère, et véritable qui me permettra de relever les défis dans le pan de responsabilité que tu me donnes dans ton Église en tant qu'enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions pour que nous trouvions toujours notre sécurité en Jésus-Christ, le Dieu vivant, quelles que soient les réalités personnelles et individuelles auxquelles chacun de nous pourra être confronté. Dans ta miséricorde, que les enfants de Dieu se consacrent et offrent leur vie au Seigneur afin de ne pas se conformer au siècle présent. Dans ta miséricorde, priez pour nos frères et sœurs en général et en particulier ceux du domaine financier, des régies financières,
des impôts et recettes fiscales, les comptables économes, afin que Dieu les fortifie et les préserve du péché, car ils sont fortement tentés. Dans ta miséricorde, prions contre les puissances de la corruption qui assaillent le monde et maintiennent les pays africains en général dans la misère et le sous-développement. Dans ta miséricorde, prions pour que Dieu aide l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à briller de la lumière divine en Côte d'Ivoire. Dans ta miséricorde, prions pour que des élections apaisées, transparentes en Côte d'Ivoire. Prions pour que les démons de la guerre, la haine, la méchanceté, l'arrogance, la misère soient chassés de la Côte d'Ivoire et que la paix, l'amour, la convivialité soient le partage des Ivoiriens dans la diversité au service du pays. Dans ta miséricorde, prions pour un dynamisme du mouvement national des laïcs, ses responsables actuels et futurs, dans la réalisation du plan de Dieu. Dans ta miséricorde, prions pour la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop, le cabinet du bishop, les structures de la conférence et leurs responsables, les districts et leurs responsables, les églises locales et leurs responsables, les classes méthodistes, les familles et fidèles méthodistes. Dans ta miséricorde, et maintenant, prions ensemble en chantant le Notre Père. Moment de reconnaissance. Nous avons deux temps de reconnaissance, l'offrande ordinaire et l'offrande spéciale pour le fonds d'équipement. Et ensuite, tous asseoir en tant que laïc. Dans la nuit qui m'en sème, dirige-moi. La route est noire et l'on est solitaire. Dirige-moi.
Désiré d'abord qui se prépare. C'est le passage des laïcs du mouvement national. Tous éclatés, tous éclatés dans la nuit qui qui commence. D'Abou qui vient d'effectuer son passage. Le disciple d'Abou qui arrive. Le disciple d'Abou qui vient de venir. Le disciple qui a fait ce signal juste et bien. La route est noire et l'homme est souligné. Nous venons pas de danse. Les disciples qui sont prêts peuvent venir. Le disciple qui est prêt peut venir dans la joie en dansant. Nous voyons Abidjan Nord qui danse pour venir. Abidjan Sud, Bassam, Sikensi, Abengourou, Korobo. Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour toi, ton Père. Nous venons d'ensemble. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je me gloire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire. Merci, vous n'êtes pas dedans. Jésus-Christ. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je me gloire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Merci à Billon Sud, merci à ces vaillants d'Issui qui font du bien à toute la conférence. Abidjan Nord vient de passer. Merci à Abidjan Nord. Abidjan Sud y arrive. Jésus-Christ, qui combat pour moi, comme elle est de Saint Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je me croire que je puis lutter pour sa gloire, pour avoir mon prier, ma victoire, Saint Jésus-Christ.
Merci au Dieu qui avance. Jésus a parlé. Merci pour ce roi des noces. Que je prie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu Pougon, je distribue Dieu Pougon. Bravo Dieu Pougon. Consacrons nos offrandes au Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce de ce que tu as mis dans notre cœur, ce désir de te donner. Oui, Seigneur, notre Dieu, qu'avons-nous que nous ayons reçu de toi? C'est pour cela, Père, humblement, nous venons t'offrir cette offrande. Daigne l'accepter et en retour, bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour cette couronne, soldat du roi des rois, que l'éthique des vôtres et l'endarde la croix. Au sortir de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. Dans les mains de qui se meut toute la création. Toi qui as conduit ton peuple jusqu'à cette heure et qui nous donne de contempler ta face de Père, ta face de Seigneur et de Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur qui nous rappelle notre mission pour le monde, à toi et pour toi toute la gloire. Et nos actions de grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, chers laïcs, et portez avec les pasteurs des fruits dignes du royaume qui vient et que la puissance du Saint-Esprit par Jésus-Christ, vous accompagne maintenant et à toujours. Amen.